Ce mercredi 25 octobre, Libération s'est intéressée à Apolline de Malherbe, figure emblématique de RMC et de BFM TV, qui a su remplacer Jean-Jacques Bourdin avec facilité et détermination. Journaliste et mère de 4 enfants, cette grande travailleuse est devenue une référence pour les spectateurs et les auditeurs qui la suivent au quotidien, chaque matin, pour avoir une information différente de celle proposée sur les autres chaînes. Et bien qu'elle semble heureuse à son poste, l'animatrice de 43 ans s'est quelque peu plainte de sa rémunération, qui n'est pas à la hauteur de celle de son prédécesseur. Comme le rapportent nos confrères, Apolline de Malherbe se désole de gagner moins que Bourdin, et ce, bien que ses audiences soient au beau fixe et qu'elle soit devenue une figure phare de BFM TV, année après année, imprimant sa patte à l'antenne. Pas la peine de chercher à savoir combien gagne exactement la journaliste, l'omerta règne encore sur le sujet dans le milieu du petit écran. On sait seulement d'elle qu'elle est une négociatrice décidée. Quoi qu'il en soit, elle est un visage récurrent de la télévision et Hervé Berrou, directeur général d'Altice Média, la décrit volontiers comme une animatrice qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui se distingue de son prédécesseur en donnant moins son avis que lui. Elle est moins dans l'opinion, a-t-il lancé. Supérieure à supérieure à Léa Salamé, Pascal Pro, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Une journaliste à l'écoute des politiques et des auditeurs auprès de Libération, le journaliste de 59 ans s'est réjoui de la manière dont Apolline de Malherbe a fait sa place à l'antenne, en faisant raconter aux auditeurs de RMC qui ils sont, d'où ils appellent, avant de leur demander de s'exprimer. Et si elle est capable de remettre à leur place des intervenants désagréables ou qui dépassent les bornes, à l'instar de Gérald Darmanin, quand il s'est permis de lui lancer la désormais célèbre phrase « Calmez-vous, ça va bien se passer », elle reste une intervieweuse politique respectueuse et moins rentre-dedans que ne l'est Jean-Jacques Bourdin, connu pour son franc-parler signature. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.